mais c'est trop méchant. Je vais montrer nos grandes bagailles. Est-ce qu'un politicien est obligé, ok, assassiner un chef d'État pour ça? Parce que le président a décidé, ok, parce que le président a décidé pour que naturellement, lui couper des contrats et pour des oligarques corrompus, par exemple les VOB, contrat Blackout. Ok, président Jovenel Moïse, justement décidé pour le couper contrat parce que central là pour l'État. L'État a dépassé comme là, il n'y a pas de service là. L'État a décidé pour le prendre contrôle toute situation. Oh oh, papa, maintenant, il a décidé, il a trouillé l'État, il a trouillé le président. Et ces politiciens qui commençaient à c'est central l'État. Peuple a changé, ça me dit. Méni, on va le montrer nous. Il faut que nous allions. Mais pour qui ça, Jovenel Moïse, Dimitri Vob dans tous les jours, Nemeni. Mais pour qui ça, Dimitri Vob dans tous les jours, Nemeni. Mais pour qui ça, Dimitri Vob dans tous les pays, hein? Et peuple haïtien, Nemeni. Mais central va, oui, on a regardé là. Parce que l'État haïtien. Paris, toi, ça lui-même. Et on va tellement important. Parce que nous, tout est là, nous quittons le président Moïse. C'est qui sécurité qui ça? Mais président Jovenel Moïse là, ok? Et nous allons regarder, président Jovenel Moïse dans central va, oui. Qui est-ce qui tue Jovenel Moïse pour faire Dimitri Vob plaisir? Et politiciens qui prennent disposition, oui? Pour assassiner le président Jovenel Moïse, et puis il y a un peu de temps pour le président. Mais il y a un peu de changer, ça me dit. Méni. Je dis que le tirage là, c'est pour l'île. Le DG. Va, oui. Dieu. EDH là. Ministère de la République qui là. Directeur général ANACIM qui là. Je te dis que. Automatiquement que l'État haïtien. Tu viens reprendre ça pour. Parce que l'État haïtien n'a pas reprendre l'usine pour lui. L'État haïtien va reprendre l'usine pour le président de la République. L'État haïtien va reprendre l'usine pour vous. Parce que l'usine ça, Centrale Varoua, sont usine que l'État haïtien a construit en 1979. Et jusqu'à présent, moi-même comme chef d'État, je ne peux pas mettre papier qui est l'État devant nous, l'usine ça. Du et tout. C'est pour ça que nous prenons une décision pour que l'usine ça, ça court, il retourne pour nous. Je dis, il y a des yeux, et nous-mêmes, journalistes qui là, nous voyons les médias, que l'usine va déraper. Ça veut dire service pour commencer par c'est deux centrales, Varoua 1, que M. Tinsot visite, Cap Marché, Varoua 2, Mental Taiwan en mai 2018. Mais matériel, l'État, oui. Centrale, ça, c'est pour l'État haïtien. Varoua 1, Varoua 2, qui était l'État haïtien qui a construit centrale, ça. C'est sous régime François Duvalier. Tout bon bagage, tout gros bagage qu'on a eu dans le pays, il était construit sous François Duvalier. Et c'est là nous ne pas jamais quitter mon parler ça. Depuis on parler ça tout le monde qui s'est sauté la tremblade. On regarde le président Jovenel Moïse justement qui était dans Central Varoua. Mais devant Central là. Il a visité Central Varoua 1, il connaît dans Varoua 2. Central ça a été construit en 1979. Deux centrales ont coûté l'État haïtien 120 milliards de goudes. Vous entendez? 120 milliards de goudes. François Duvalier était construit central ça pour l'État haïtien. René Préval, caca clairin, vicieux, volé, pas contre femme. On prend si vicieux, si volé, eh bien, li bay fatra les vobli rentre dans le complot. Pour le faire comme pal, par en bas, madame n'y a fait 900 000 dollars américains chaque mois dans le contrat. Jocelyne Privé a fait 370 000 dollars américains chaque mois comme comptable en chef dans son génère. Parce que pas oublier ça. Jocelyne Privé était comptable en chef. En dedans Sogener. Salaire li te plus passe 300 000 dollars américains chaque mois. Vin de mentim? Ban touye de président. Ban assassin. Ban gang sale kote nouye. Ok? Et mais justement, Central Varoua yon gade la. Pou ne yon capable gen Central en possession yo, et mais même la famille Vob, yon voye font tentative pour bouler, mette du fe dans Central la. Avant que yon allemand de Préval, contre bagay question bagay contrat courant. Yo rend central là dysfonctionnel. Et puis après, yo proposé Préval question bagay contrat courant. Yo fait Préval bayo central Varoua. Qui pour l'État haïtien. Et puis yo fait Préval bayo fait BNC bayo yon prêt. Yon prêt qui c'est 30 millions de dollars américains messieurs dames. 30 millions de dollars américains. Yon Dimitri Vob qui pas ka manger. Yon koko a senti vicieux, corrompu, nèg sale. Même cheveux li pas ka, je ne sais quand goutte pour le payer, pour le faire. Ti machine qu'elle te gagne ce matin, elle a vendu pour le manger un dirible, pour le manger un spaghetti à petite li, tellement koko a pas de soin. Ça va gagner longtemps.
Préval bali contrat. Yo bal 30 millions de dollars américains dans BNC pour la réparer qui centrale centrale l'état haïtien encore. Monsieur réparer même moteur l'état haïtien yo. Li pas même faire dépenser 10 millions de dollars américains là-dedans, li prend coblan, la investi en Dominicanie dans usine pour produire baleine en Dominicanie avec l'argent l'état haïtien, l'argent BNC. Li pas remettre coblan, les responsables BNC a prendre toucher faut touyer. Yo tuer monsieur. C'est délicat quand on est garçon et vous êtes capable de dossier ça clair. Je tue, monsieur. Central l'État. L'argent l'État. Et puis, monsieur, signe un contrat avec l'État. Pour ben l'État qui ça? Courant dans central l'État. Avec qui gaz? Li prend gaz dans main l'État à crédit. Monsieur, dame! Oh, monsieur! Dis qui est-ce qui a joué un privilège dans nos pays ça? Yo pas il paye a rien du tout. T'as des qualités privilèges, mon ex, joué nos pays. Et même service là. Ou pas gen volonté pour bailler. Ou sont méchants. Ou sont corrompus. Ou sont gang sale. Ou sont terroristes. Yo doit fan ou en deux comme petit volet. Méchant. Oh! Non, mon cher. C'est pas possible ça, messieurs, dames. C'est pas possible. On continue à garder président. Directeur général Anassé qui l'a. Yo te dit que automatiquement que l'État haïtien. Te vin reprendre ça pour parce que l'État haïtien pas reprendre l'usine pour lui. L'État haïtien pas reprendre l'usine président. L'État haïtien reprendre l'usine pour parce que usine ça, Central Varoua, sont usine que l'État haïtien a construit en 1979. Et jusqu'à présent, moi-même comme chef d'État, je n'ai jamais eu papier qui est l'État devant nous, usine ça. Et c'est pour ça que nous avons une décision pour que l'usine ça, ça court, il retourne pour nous. Je dis, nous avons et nous-mêmes, journalistes qui là, nous voyons les médias. Que l'usine n'a pas dérapé. Ça veut dire service pour commencer par. Justement. Deux centrales, Varoua 1, que nous avons visité, qui a marché, Varoua 2, moi je suis allé en mai 2018. Moi je suis allé et l'homme est allé, je ne suis pas allé. Mais on d'autres présidents. Ou à tout ça que tu as commencé à marcher là, centrale Varoua, tu as commencé à marcher, tu as commencé à marcher, centrale électrique Cafou, tu as balancé. Tout campé net depuis les autour du président. Ça veut dire raison, raison assassinat président, c'est exactement raison ça. Dimitri Vop, nous pas jambler au garçon. Ou la fou. Ou pas sur tenir en silence au président assassiné et puis y a qui gen là, ou fou garçon. Président parle tant de garçon. Raison assassinat président c'est ça. Maintenant, dans la avec président méchant. Sénat dans la président chambre député. L'État taïwanais prête nous 150 millions. Pour nous te faire à travers pays a réseau électrique, parce que ça me plaît pour nous comprendre. Ce n'est pas produit électricité qui est difficile. C'est construction réseau. Parce que je dis route côté pour moi, parce que c'est une pigou pour quelqu'un. Et là, nous arrivons à Taïwan avec gros monsieur, ça veut dire docteur Calix, directeur EDH, ministre de la République. Ils ont expliqué nous qui ça nous besoin pour nous mettre construire réseau électrique dans 51 communes dans le pays qui n'ont pas réseau électrique. Je voulais parler tant que, par exemple dans le département nord-est de commune Capoti, commune Montorganisé, commune Montbencoche, commune Caris, commune Vallière, commune Perche qui a un problème réseau. Dans le nord, je voulais parler de commune Dondon, commune Pilac, commune Boy, commune Plaisance, commune Baron, La Victoire, Tranquille qui a un problème réseau. Dans le département l'ouest, nous voulais parler de commune Pointe-à-Raquette, Ansagalais. Nous voulons parler de commune Cognon, de commune Fonverette qui va bien qui réseau. Dans le département nord-ouest, nous voulons parler de commune Île de la Tortue. Nous voulons parler de commune Chansol, commune Bassin Bleu, commune Baie de Haine qui va bien réseau. Voilà. Et... c'était l'apparition du président Jovenel Moïse et dans la centrale Varoua 2. Après, il était passé dans Varoua 1. Maintenant, en avancé. Pour aller suivre une intervention que le président Jovenel Moïse a fait pour nous. Et c'est vraiment intéressant pour nous vivre ça ensemble avec. Tendez-la avec un pile intérêt. Conseil national des manches. Parce que pour nous comprendre, le président a une volonté pour qui ça que les politiciens font dans le pays d'Haïti. Et il a parlé, mais ça a parlé sérieux là. Je vais inviter à nous avec un pile intérêt. Président Jovenel Moïse. Président peuple là, président nation, tôt ou tard, tout haïtien a fini par comprendre que vous avez une volonté réelle pour te faire bagarre pour payer ça.
entre le président Jovenel Moïse. République. Mesdames, Messieurs, les représentants d'organisations internationales, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants d'organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, les panélistes, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée. Je me réjouis de lancer les travaux de cette cinquième journée de l'économie sous le thème « Constitution et élection pour une bonne gouvernance ». Ce thème est à la fois déterminant et crucial pour le pays, car le contexte actuel est marqué par un débat constant sur la tenue des élections et les difficultés que pose l'application de la Constitution de 1987. D'ailleurs, pendant toute ma campagne électorale, je disais chaque jour que la stabilité politique est le premier des biens publics. Et il ne peut pas, il ne pourra pas, en aucune façon, avoir de stabilité politique sans de bonnes élections dans le pays. Je tiens à vous rappeler que les élections constituent la seule et unique voie à suivre pour renouveler le personnel politique, améliorer la gouvernance économique et garantir la stabilité politique au profit de l'intérêt général. La gouvernance économique, qui est en débat ce matin, fait référence au mode de gestion de l'État à travers ses institutions et les mécanismes de régulation pour mieux piloter les politiques économiques. Je veux parler de fiscalité, budget, politique monétaire et commerciale. Et pour assurer leur impact réel sur le développement socio-économique. Conscient d'un tel enjeu, j'ai instruit d'organiser cette journée gouvernementale en vue d'offrir un espace de dialogue, de discussion et d'échange avec les acteurs concernés par la question de la Constitution et des élections pour apporter les réponses viables pour une transformation émancipatrice du système politique national. Mesdames, Messieurs, depuis la campagne présidentielle jusqu'à mon accession au pouvoir le 7 février 2017, j'ai prôné une transformation de l'appareil étatique et une meilleure participation des citoyens dans la gouvernance du pays. C'est en ce sens que j'ai fait de la réforme de l'État un axe majeur de mon programme politique et que j'ai pris la décision d'organiser dès mon arrivée au pouvoir, les États généraux sectoriels de la nation. Je savais pertinemment qu'avec de telles ambitions, les blocages et les obstacles viendraient de toutes parts obstruer la voie du changement et du progrès. Le changement, c'est un mot qui fait peur. Le statu quo, c'est ce que certaines fois, je dirais, des élites de ce pays ont décidé d'appliquer. Mais malheureusement, ce temps est révolu. Nous sommes arrivés à un carrefour de l'histoire de ce pays où nous devons dire la vérité, nous regarder l'un l'autre dans les yeux. Nous ne pouvons plus mentir à ce peuple. Ce peuple qui a passé, je dirais, plus de 2 siècles à souffrir, où les élites de ce pays ont décidé de son avenir, ont décidé de sa transformation. Aujourd'hui, le moment est venu de dire la vérité crue à ce peuple. Un pays où tous nos indicateurs sont en rouge, et pourtant, Haïti reçoit des milliards de dollars, je dirais, et nous dépensons beaucoup d'argent dans différentes réformes,
réforme dans le secteur de l'énergie, réforme dans l'éducation, réforme dans la santé, réforme dans l'environnement. Et pourtant, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Le peuple demande une réponse à ces questions. Le peuple veut savoir pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous autres Haïtiens, pour, je ne veux pas dire redémarrer, mais pour démarrer ce pays. Parce que de la mort de Dessalines jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre entre nous. Sur le plan politique, comment parler des partisans du chaos, je dirais, parce que pour moi, il y a des gens qui, des maîtres nageurs en Haïti qui nagent souvent dans des eaux troublées, qui n'aiment pas nager dans de l'eau claire. Et cette eau troublée, soutient toujours l'instabilité à travers des manifestations violentes répétées auxquelles s'ajoute, comme vous le savez tous, le phénomène de pays loc qui a décapitalisé surtout les petites et moyennes entreprises, les véritables moteurs de l'économie nationale. Ces fauteurs de troubles ont fait le choix d'attiser la violence politique plutôt que d'opter pour un dialogue entre fils et filles d'une même nation pour favoriser la bonne gouvernance et faire triompher la cohésion nationale. Il convient de noter également la dégradation du climat sécuritaire qui entrave la libre circulation des personnes, des biens et services avec l'amplification des gangs armés. Pourquoi faire de la politique? Je suis à la tête de ce pays aujourd'hui, je me pose la question premièrement. Je pense que la politique, si quelqu'un décide de le faire, c'est pour servir. Pour servir les gens, pour servir le peuple. Et ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Et ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent dans les grandes villes. Et pourtant, il y a des gens qui considèrent la politique comme une ascension sociale. La politique n'est pas une ascension sociale. Ce problème nous donne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons des gens qui font de la politique, mais qui sont en panne d'inspiration. Parce que quand vous avez un discours, et ce discours ne peut pas, vous ne pouvez pas l'innover, à ce moment-là, vous n'avez pas la capacité de mobiliser, de plus mobiliser les foules. Et quand vous n'avez pas cette capacité, vous passez directement à la violence. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. Le pouvoir vient du peuple. Si vous voulez diriger le peuple, il faut avoir l'aval du peuple. Et si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le diriger. Et pas ça dans le pays, ça, président. Et au fin tout là, et au fin tout là, vous cachez des téléphone et blanc fait tout pour vous, vous mettez au premier ministre. Et au fin tout là, vous faites 33 mois, à voler, à piller, à bouter dans le pays. Et puis, il y a 9 cachés dans le téléphone pour blanc comme météo président. 9, nous avons 9 présidents, 9 présidents qui sont là, oui. Après, au fin de tout, c'est 9 présidents qui sont là, oui. 9 présidents. 9 présidents. Même docteur Claude Joseph, non, mais président tout, oui, président. Vous comprenez? Même docteur Claude Joseph, petit garçon là, oui. Petit garçon là, il n'a pas été président tout. D'ailleurs, là, président. Et problème, président, en avance, on entend des présidents. Si vous êtes contre les élections, vous êtes contre la démocratie. Les élections, c'est le seul moyen pour avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la terreur.
ce temps est révolu. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la violence et l'intimidation. Ce temps-là est révolu. Mais, malheureusement, il y a des gens qui pensent que la règle pour diriger le pays, c'est la transition. Les élections sont considérées comme l'exception de la règle. Mais les conditions, les inconditionnels de la transition, vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pays. Un système de kidnapping téléguidé, dans l'unique objectif de provoquer l'exaspération de la population par la peur, la violence et l'intimidation. Mais c'est sans compter sur l'intelligence du peuple qui ne se fera jamais complice de ces sales et honteuses manœuvres de déstabilisation. Sur le plan institutionnel, l'appareil administratif et les institutions portent la marque des pratiques de corruption, de trafic d'influence et de captation des ressources publiques au profit des intérêts particuliers. Ces pratiques constituent un énorme frein à la bonne gouvernance économique. De plus, les autres pouvoirs publics ont fait du marchandage et du blocage institutionnel un outil politique pour parvenir à des fins partisanes non profitables au bien-être de la population. Vous êtes tous ici présents, témoins des difficultés qui entourent le choix d'un premier ministre et des membres d'un gouvernement, ainsi que tous les autres dossiers vitaux pour la nation, par exemple l'électrification du pays, pour lesquels nous avons cherché vainement l'adhésion et la cohésion de l'ensemble des pouvoirs de l'État. L'État est fait pour servir, mais malheureusement, en Haïti, avec l'avènement de l'ère démocratique, avec cette nouvelle constitution de 1987, nous avons mis sur pied malheureusement un État prédateur, un État sensu. C'est cet État que je dirige aujourd'hui. Et vous autres ici, ministre, Premier ministre, vous faites partie de cet État. Vous devez vous mettre ensemble pour changer cet État. C'est un État pourri. C'est un État qui est entre les mains d'une oligarchie corrompue. Volé. Qui est en train de nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Un pays divisé. Mm-hmm. Un pays appauvri. Un pays où ceux qui vivent dans les régions, ceux qui vivent très loin de Port-au-Prince ou bien très loin des grandes villes, pensent qu'ils ne sont pas des Haïtiens comme nous. Et pourtant, ils sont des Haïtiens. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'accès aux services publics. Et pourtant, ce sont des Haïtiens comme nous. Nous sommes des ministres pour ces gens-là aussi. Je suis le président de tous ces Haïtiens aussi. Le Premier ministre est le Premier ministre de tous ces Haïtiens. Le gouverneur de la Banque centrale, il est le gouverneur de la Banque centrale de tous ces Haïtiens. Et pourtant, ils ne sont pas des Haïtiens parce qu'ils n'ont pas de droit. Et c'est pour ces gens-là que moi-même je parle, depuis ma campagne électorale jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit haut et fort que les choses doivent être changées. C'est triste de voir qu'aujourd'hui encore, il y a des gens, des septagénaires, des octogénaires, qui parlent de la transition, qui pensent qu'ils peuvent en fait continuer à garder ce pays dans cette situation délétère. Mais malheureusement, il y a une génération, cette génération dont je fais partie, qui dit non aujourd'hui. Nous sommes courageux pour dire que vous avez dirigé ce pays d'une très mauvaise manière pendant les 30, les 50, les 60 dernières années. Nous disons non aujourd'hui.
Et nous sommes prêts à nous asseoir avec vous parce que vous êtes nos aînés. Mais vous devez savoir que juchés sur les épaules de nos aînés, nous pouvons voir plus loin qu'eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la tête de ce pays, nous sommes prêts à parler, à discuter à tout le monde. Mais nous ne croyons pas dans des solutions cosmétiques, des solutions que nous pouvons considérer comme des bouillons réchauffés. Ces solutions qu'on cherche à nous imposer depuis les 34 dernières années, aujourd'hui, nous autres à la tête de ce pays, nous disons non. Nous voulons de l'innovation. Nous voulons des solutions qui vont en fait aider les populations des zones reculées à sortir de la misère, de la crasse. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons des solutions pour transformer l'État, cet État prédateur, en un État serviteur. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Et nous ne voulons pas vous laisser derrière. Nous voulons, avec vous, fils et filles de ce pays, bâtir ce pays, avoir des solutions applicables pour laisser un pays meilleur pour les générations futures, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui dans l'électrification, le projet d'électrification nationale que nous avons aujourd'hui. Sur le plan économique, il a été planifié de créer un chaos économique et financier afin de pousser la population à rejoindre un mouvement politique séditieux et subversif, démarré le 6-7 juillet 2018. La monnaie nationale, à savoir la goutte, a été l'objet d'attaques récurrentes. La spéculation s'est établie en règle au détriment de l'intermédiation financière, considérée comme la mission centrale des institutions financières. Celles-ci semblent bâtir leur plan d'affaires sur la dévaluation de la goutte. Pour preuve, à mon arrivée au pouvoir, le taux de change était de 69 gouttes haïtiens pour un dollar américain. Au mois d'octobre 2018, soit un an plus tard, le taux de change est passé de 69 gouttes à 93 gouttes pour un dollar américain. De mars à août 2020, le taux de change est passé de 97 gouttes 7 à 121 gouttes 17 pour un dollar américain, soit une hausse de 24%. D'environ 6 mois. Mesdames, Messieurs, les grandes décisions économiques que j'ai prises ont bouleversé les intérêts de groupes puissants qui ont alimenté le désordre et l'instabilité politique. Oligarques et politiciens. Ces blocages et attaques que je viens de rappeler ont eu pour principal objectif de précipiter la chute de mon administration et d'ouvrir la voie à la transition. La transition est, depuis de nombreuses années, le modèle politique de certains acteurs qui ont horreur des élections, qui ont peur des élections, qui ne veulent pas de l'élection dans le pays. Ils contestent systématiquement les résultats des élections par la violence. C'est pour ça aujourd'hui, le Conseil électoral qui est là parmi nous, je l'ai dit, je suis une victime. Je veux que les résultats partiels des élections soient connus le soir même. Le soir même, justement. Aïe, aïe, aïe. Et puis 8-9 heures, c'est pour nous bailler. Et c'est la partielle là. Et c'est ça que j'aime faire en Haïti. Et ça doit faire partie du décret électoral que je vais signer. Parce que les élections que nous devons en fait considérer comme la règle, est considérée comme l'exception dans le pays. Ce n'est pas possible. Nous devons laisser un pays meilleur pour les générations futures. Pour faire face à ces blocages de toutes sortes et soutenir la bonne gouvernance économique, mon administration a réalisé des actions de grande envergure, comme le pacte de gouvernance économique et financière
signé le 23 juin 2020 entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque centrale, visant à limiter les incidences de la situation des finances publiques sur la conduite de la politique monétaire. La stabilisation du taux de change comme résultat de diverses concertations entre les acteurs économiques et les opérateurs financiers et l'adoption du mémorandum d'accord conclu entre le gouvernement haïtien et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et les associations patronales. La décision du gouvernement de pratiquer le cash management pour éviter de recourir au financement monétaire des déficits budgétaires et l'arrêté du 30 août 2020, fixant la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice fiscal 2019-2020. La création, la mise en place du conseil d'administration et le lancement de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, dont la mission est d'accroître l'offre de l'agriculture par le financement des exploitants et des projets agricoles. La mise en place du conseil d'administration de la Banque populaire haïtienne, la réforme dans le secteur de l'énergie, l'allègement du processus et des procédures de passation des marchés publics favorisant une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des travaux, la redynamisation des institutions de contrôle comme l'IGF, l'ULCC et l'UCREF. La mise en œuvre des programmes tels que le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, favorisant l'entrepreneuriat, l'accès au crédit et la création de richesses indispensables au développement économique. De plus, mon administration a adopté deux documents stratégiques majeurs. Le programme de modernisation de l'État, PME 2023, dont l'un des piliers repose sur la réforme des finances publiques et de la gouvernance économique. Deuxièmement, le plan de relance économique post-COVID-19, pré-POC 2020-2023, dont certains piliers sont consacrés à la diversification de l'économie et au soutien des PME pouvant garantir une croissance économique solide. À ce titre, je tiens à féliciter le Premier ministre et son équipe gouvernementale pour avoir pris les mesures appropriées et les actions adéquates dans l'intérêt de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, en devenant président de la République, j'ai trouvé un État faible, incapable d'administrer son territoire, de réguler le système économique et financier marqué par une logique pesée sous ses. J'ai trouvé un faible niveau de cohérence entre les actions du pouvoir central et celles des autorités locales, un déséquilibre entre les pouvoirs publics, la difficulté d'application de la Constitution et une obsession de négation des élections pour conquérir le pouvoir par la transition. La réalisation de cette journée tombe à point et je souscris au diagnostic qui met en évidence les fondements constitutionnels et électoraux des problèmes de bonne gouvernance économique, à savoir les défaillances dans l'orientation globale, la planification et le pilotage des politiques économiques, la multiplication des risques de conflits entre l'exécutif et le pouvoir législatif, résultant d'un déséquilibre dans la répartition des pouvoirs de l'État, la faiblesse des dispositifs d'harmonisation entre l'État et les collectivités territoriales, la situation de conflit permanent entre le président de la République et le Premier ministre, le vide institutionnel récurrent causé par la tenue irrégulière des élections. Nous sommes aujourd'hui à un tournant historique qui nous interpelle à réexaminer profondément le système politique et à faire les choix qui s'imposent pour une meilleure gouvernance, et ceci à tous les niveaux. J'invite les acteurs politiques, les groupes organisés de la société civile et chaque citoyen à s'engager dans le respect du jeu démocratique qui mettra le pays sur la voie de la transformation et du changement réel. C'est la responsabilité de chaque citoyenne, de chaque citoyen, de faire preuve de dépassement pour prioriser l'attachement à la sauvegarde de la nation, à la sauvegarde de la souveraineté nationale. Les Parisiens,
frère Maxime yo. Haïtien qui vivent dans quatre coins pays ya, monde qui vivent dans BDM, dans Tibiron, dans les Iwa, monde qui vivent dans Grand Gosier, dans Sapit, monde qui vivent dans Cognon Grand Bois, monde qui vivent dans Bois de l'Ouest Sylvestre, monde organisé. Moun kap viv nan diaspora, sa kap viv en France, aux États-Unis, au Canada, moun haïtien kap viv nan Guyane, nan République Dominicaine, nan Chili. Mene peyi a sou chemin développement, se yon volonté, mwen pa jèm suspann manifeste nan souci pou rive transforme la vie chak haïtien et chak haïtienne. Volonté PAM, d'ailleurs, c'est lui qui fait que dans pile turbulence, en pile problème, et en pile bagaille parfois que nous payons, ces décisions que nous prenons pour nous mettre l'État dans le service peuple. Volonté PAM, c'est combattre force fait noir qui veut quimber l'État en otage. Volonté PAM, c'est être griffe monde qui comprend que l'État c'est yo, que l'État c'est pour yo, sur l'État. Tout ça, c'est une façon pour nous dire, pas qu'à gagner bonne gouvernance économique sans nous pas m'accorder à une bonne gouvernance politique. Dans ce sens, référendum sous constitution à élection, c'est deux plus gros outils que le peuple a mis en main pour décider qui j'en veux pour payer l'organiser. Qui mode l'État livré et qui bénéfice les rejoindre pour tête pâle, pour petite li et petite li. Comment pour comprendre qu'un peuple n'a pas le droit pour dire comment il veut pour le diriger, pour le diriger lui-même? Comment pour comprendre? En donne en constitution, vous mettez le peuple dehors la donne. Comment vous comprenez en constitution un groupe monde qui est le diaspora qui vous mettez dehors la donne? Vous mettez dehors. Et vous montrez la clé. C'est le peuple qui décider pour dire mais qui est livré pour venir diriger. Pouvoir pas prendre un petit passe-coute. Pouvoir pas prendre un amitié. Nous-mêmes, nous pas un petit passe-coute. Nous pas un amitié pour voir le peuple. Pouvoir prendre élection. C'est le peuple qui peut bailler le pouvoir et c'est lui qui peut choisir le monde qui lui fait confiance. C'est le peuple qui doit mettre destin. C'est lui qui doit mettre destin dans le choix qu'il a fait. Ce n'est pas personne. Nous-mêmes, nous croyons dans la démocratie triompher. Nous croyons dans l'alternance politique, dans l'équilibre du pouvoir public. Nous croyons dans l'élection. Moi-même, moi là, je vais aller. Les gens qui viennent, c'est peuple peuple pour dire que les gens ne sont pas gros amis, n'importe quoi. Prince. Ni gros amis politiques, ni gros amis économiques. Nous avons des gros amis, peuple haïtien. Je vais gourmer pour me tourner pour voir Bali, pour lui-même choisir les gens qui vont diriger. Et j'aime quand on est pour voir Bali, c'est non. Élection. C'est là, on est qui le dirige le pays, sous tape fond rêve, réveillez-vous. Transition finie. Bye bye, mon soko. Ça finit net. Pas rien ça encore parce que Farine n'a pas vu dans le même sac là. Pas rien pression, pas venir parler de Kozak président dans les oreilles que. Il y a un problème. Le seul problème qui vient aujourd'hui à son problème, élection. Avec dit tout le monde, chaque pas une botte à l'acheter, mettez une botte, montez dans le monde. La campagne. Fait formation pour. Nous connaissons un pile monde dans le pays qui va prendre le livre, fait formation pour vous. Pour vous comprendre, ou même discours pour qui sauve les vannes, sauve les dios qu'on gagne pour vous dans le diacoutou. C'est ça je dis pour rien pour faire. Mais si c'est dans la radio, il était toujours, on a toujours fait 1% dans l'élection, 0,50%.
Après, c'est voler, voler l'élection en amour. C'est pour ça. Après, vous avez l'élection, pas de temps pour le cas où le résultat, c'est pour qu'on ait même le soir. Pour tout le monde qui perd, on est perdu. Ça gagne qu'on est rien. C'est difficile pour un monde qui a fait politique de comprendre que il y a une retraite dans toute bagaille. Moi, mon arrivé, même sur mon job, mon arrivé, c'est pour la voilà, retraite. Ça veut dire, l'État m'a fait la retraite, là, c'est 25 ans, c'est ça. Après 25 ans qu'on fait, dans la fonction publique, là, ou dans la retraite. Même dans la politique, là, tout faut que je retraite. Il faut que je retraite dans la politique. Il faut qu'on retraite pour la jeunesse, venir, on y a lui-même, de venir pour placer, pour venir faire politique. Parce que politique, j'en nous dit, moi-même, pendant 4 ans, expérience que je fais là, je comprends que politique fait pour servir le monde. C'est pour ça que tout pendant le président machine dans tout le pays. Je vais servir le monde. Bonne décision de mettre lui maintenant, dernier côté dans le pays. Ça, c'est lui-même, nous connaissons qui ça, ça te fait. Qui quantité du fait qu'elle mette dans le pays. Mais pas oublier, peuple là. J'ai un saut de cléo là. Je saute cléo avec gros caoutchouc, gros lumière, du feu. Je vais le cléo avec électricité, avec bon courant. Parce que lumière, ça, je saute bas ou là, son lumière qui détruit, son lumière qui boule à faire, son lumière crasée, brisée. C'est pas dans la lumière, ça me quitte. Et c'est pour ça. Tout le monde qui a besoin pour agent de dire là, c'est pour aller dans l'élection. Pour venir dire que nous-mêmes, je dis à commencer dans l'affaire électricité, pour venir dire dans Jacques-Coutlou comment on va continuer. Parce que nous avons quitté un document qui pour montrer toute réforme électricité, pas à pas, nous prenons, parce que nous avons quitté un document pour nous dire réforme électricité entre 2020 et 2030, mais comment vous le faites? Pour tout le monde suivre, ça veut dire que vous venez pour un pouvoir. Je dis, on a commencé l'humain. Nous disons c'est quel, dans une série de zones, c'est diesel, c'est solaire. Nous, dans le document, il va y avoir exploitation d'énergie éolienne, il va y avoir exploitation de biomasse. Ça veut dire qu'il va y avoir une date qui est pour vous faire. Ça veut dire que c'est ça aujourd'hui à vous faire. On nous construit ensemble. On nous suspend détruit. On a détruit ensemble trop longtemps. Et c'est ça qui mettait nous là aujourd'hui, qui fait nous gagner respect, le peuple. Sur la terre. Nous sommes le premier peuple noir indépendant. Nous sommes en aclote. Nous sommes pour pouvoir. Nous sommes pour ne pas scout. Nous sommes pour nous toujours là. Parce que nous sommes il ne faut pas là encore. C'est pour d'accord. Le temps pour la fini, parce que le génie n'a qu'un siècle. Le temps pour la fini, c'est un pas en l'autre. Qui vient? C'est pour que l'eau que table a desservi. C'est pour retirer quoi? Ou bien on l'autre équipe, on l'autre groupe monde, ou bien la jeunesse place pour eux-mêmes, pour être capable de mener notre pays à côté que nous devons mener. Nous avons songé, l'homme fait que notre président mettait sous pied un gros comité, je voulais parler de groupe monde qui a travaillé sur l'état général sectoriel. Là, nous fous, j'ai gardé le rapport comité pilotage avec le secrétariat technique état général sectoriel national. Sous affaire gouvernance politique, dans ce qui concerne l'élection à la constitution, il dit à clair, constitution 1987, là, c'est une source d'instabilité politique qui empêchait l'État de faire bon genre de développement et puis assurer une bonne gouvernance économique. On prend l'exemple. Diaspora a participé à l'activité économique du pays. N'a voulu passer plus passer 3,5 milliards de dollars dans le pays chaque année. Diaspora n'a pas participé dans rien qui n'a pas avec politique. Diaspora n'a pas participé dans rien. Limite diaspora, c'est directeur général. Diaspora n'a pas qu'un ministre. Diaspora n'a pas qu'un premier ministre. Diaspora n'a pas qu'un député. Diaspora n'a pas qu'un sénateur. Diaspora n'a pas qu'un président. Mais content de vous voir comme, j'aime toujours dire, on sait le verbe qui conjugue, c'est le verbe, et le verbe envoyer. Je dis à diaspora,
Les veux conjuguer un autre verbe qui est le verbe participer. C'est ça le débat. Je voulais venir dans tout ça qui a passé dans le pays. D'ailleurs, nous connaissons un peu le monde qui connaît et qui a un gros moyen comme haïtien, c'est diaspora. Je dis, il faut nous ouvrir porte pour eux, pour permettre qu'ils soient capables de venir dans le pays, venir travailler, venir investir. Problème équilibre dans le pouvoir public. Le pouvoir public n'est pas jamais arrivé à tout le monde. Nous avons été pour nous coller le morceau, pour nous jouer de coquin, pour nous créer. Ça veut dire instabilité. L'entendez, c'est la douce politique m'a fait. Mais politique quoi fait? Politique fait pour qui ça? C'est pour le bien-être collectif que politique fait. C'est pour nous vivre plus bien. Je ne suis pas capable de faire politique pour être capable de chercher des gens pour mettre profit en bas pied président pour le tomber ou même pour une fontaine coup. Pour mettre profit en bas pied pour le ministre pour le tomber pour une fontaine coup. Politique doit faire pour servir les gens. Depuis 34 années, c'est seulement trois présidents qui ont fini le mandat. Et pas oublier, toujours dit. Je suis supposé 7e président. Après 34 ans, je crois que je prends tout président net. Je n'ai pas oublié, parce que le président, vous voulez oublier. N'oubliez si le général Abraham te fait 48 ans, président. N'oubliez ça. C'est pour nous mettre tout président. Ça veut dire que c'est 19e président. Exactement. Et je suis supposé 7e. Ça veut dire qu'il y a 12 présidents passés qui n'ont pas supposé président pendant 34 ans. C'est pour montrer bon problème. Nous passons 33 premiers ministres. Ça veut dire que les premiers ministres ont passé en moyenne seulement une année dans le gouvernement. Comment vous dites pour être capable de mener une politique de développement de nos pays? Comme même la constitution, ça dit le président est un mineur. Ça veut dire que le président vient faire élection. Son premier ministre qui est là pour implémenter toute action, toute promesse président. Le premier ministre n'a pas qu'à faire. Mais nous, ce n'est pas moi qui dis, c'est la réalité. Il n'a qu'à faire plus qu'un an dans tel gouvernement. Moi-même, nous sommes exemple. Dans le 4e ou 4e premier ministre. Ça veut dire pour nous dire que nous comprenons. Nous ne pouvons pas parler de développement comme ça. Je dis à CAPT, c'est pour nous peser. Gros savé dans le pays d'Haïti, gros intellectuel. Mettez vos lunettes pour nous. Ouais. Nous n'avons pas de moyens pour continuer à faire payer ça. Nous avons des gens qui ont demandé pour force morale, pour mettre tête ensemble. Mais pour mettre tête ensemble pour la transition. Hein? Mais je dis à force morale, pas mettre tête. C'est force immorale qui met tête ensemble pour transition. Volé. Force morale a mettre tête ensemble pour élection. Ça veut dire que c'est des situations qui compliquent en pile que nous vivons. Et situations sont des gros problèmes. Il n'a jamais développé comme ça. L'air que des gens qui ont pris une décision pour l'avenir en pays, et puis, côté lié, il faut la gouverner pour le rester là. Malgré nos élections, nous faisons campagne. Première élection, il y a une élection. Dans la première élection, il y a des gens qui ont une élection ensemble avec moi, qui étaient candidats pour le président. La deuxième élection, vous êtes candidat pour le sénateur. André Michel, et puis, deuxième élection, ça a fait, qu'on y a aujourd'hui, bon calcul arithmétique, pas comme côté, qui fait nous montrer que c'est la première élection, m'dépasse. Mais oubliez, si c'est vous qui crasez la première élection, vous pas qu'à bénéficier de propre erreur. Erreur, justement. Ou t'écraser première, ou font-ils coûte. Maintenant qu'on y a, ça va nous faire. Comme Bralgon,
nouvelle constitution, un référendum, mettez là dedans après chaque 5 ans président, il faut qu'il y ait un an de transition. Laissez là dans la loi. La plus simple, nous n'avons pas besoin d'aucun brigadier. Donc le président finit l'aller et puis petite transition. Petite transition finit, nous faisons un coup de panneau et puis élection faite pour l'autre monde. Mettez-le. Parce que c'est ça, c'est vérité ça que nous refusons de dire. Nous avons trompé, nous trompé le peuple ça trop longtemps. Nous faisons toute vie, nous avons mal menti. Élite, vous réveillez nous. Réveillez nous parce que je dis à notre l'État, je comprends bien qui ça l'État veut dire. Je comprends qu'en Haïti, il y a un emploi avec bien, c'est l'État. Je comprends ça. Mais pas faire gros l'estomac, gros poignet, venez nous chita parler. Sous besoin de mots sur place pour la chercher un genre, gros baoul. Mais pas faire gros poignet comme si vous comprenez que c'est une crise brisée, que nous prenons le peur, ou bien nous courir pour bon genre élection avec notre pays. Nous allons voir comment nous courir nous-mêmes. De vous faire qu'elle nous saute, chita nous chita. Chita nous chita. Ça veut dire. L'important pour que je dise, pour nous gagner une constitution côté peuple là, car est clair là-dedans, mes amis. Faut peuple là est plus clair. Faut le comprendre, c'est pour ça texte, c'est pour le clair. Comble le coq. Pour nous comprendre clairement côté auquel voter, pour qui ça auquel voter. Et c'est pour ça, me demander, c'est pour texte là. Faut le publier, faut le sortir, pour nous commencer, ouais, qui côté, pour que débat commence à faire sous lui. Mais ça qui pas bon, mais ça qui bon, faut le texte là public, parce que si le référendum, non, date que le conseil électoral a été proposé, pour 25 avril là, pour nous, nous-mêmes, pour nous respecter, je dis à quel temps, nous en fin mois janvier, 28 janvier, ça veut dire, faut nous mettre. Mais retirez bas là, retirez l'en bas mal là côté là, mettez le dehors pour gros avis dans le pays, comment ça regarder, pour les gens qui sont dans la province, comment ça l'île, pour comprendre, pour discuter. Maintenant, l'université, le président Kopi a là, ça veut dire voyez by tout le monde, tout côté net. C'est un exercice transparent qui vous fait. C'est pour nous voir tout consulat pays d'Haïti dans tout côté sous la terre. Zanmi nous dans l'international, là, vous voyez tout le monde. Vous voyez tout le monde, tout leader communautaire. Et puis tout, faut que j'empêche, faut faire rapidement pour traduire tout en créole. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français. Il faut que monde qui ne comprend pas le français tout, pour être capable de comprendre ce qui est dans le texte. Pour eux-mêmes, pour vous faire proposition, pas eux. Ce n'est pas la constitution, le président vient faire pour lui, ni l'équipe qui a le pouvoir vient faire, pour tête eux. D'ailleurs, c'est pour ça, je vous ça, nous, c'est sous ça que le gouvernement limite. Parce que lui-même, le gouvernement, qu'on est clair, que année ça, son année, il est là pour le faire, élection, avec référendum, même j'avais, pour n'en faire nous. Nous ne pouvons pas arrêter parce que tout le monde connaît l'on peuple. Bon mandat, bon moment fini. Ça allait pour aller. Pour que l'autre monde dirige. Ça veut dire, messieurs, dames, qui n'ont comité consultatif indépendant, nous connaissons indépendants, c'est vrai, nous ne pouvons pas avoir une pression. Mais l'État, pour dire à 28, pour. Nous sommes capables de mettre bas là dehors pour tout le monde comprendre, pour ne pas marcher pressé. Ça veut dire que nous avons pratiquement 3 mois de référendum. L'État bon pour le premier débat qui commence à fait. C'est ça où il est. On ne souffre pas rien, les gens nous disent. Pour ça commence à fait. Pour tout le monde commence à faire réflexion. Parce que la Constitution, ça, je nous dis, pas de droit à gagner. Moun qui dehors la donne. Pas gen droit gen moun qui dehors parce que
C'est dans mettre monde dehors qui mettez nous là. Oui. Chaque temps nous mettons équipe monde dehors depuis nous garder monde dans pirate. En 1987, nous font constitution nous dit tout le monde court voter pour article 291. Ma coûte pas là-dedans. Nous fait 10 ans, c'est ma coûte la cap diriger nous pendant 10 prochaines années. Ça veut dire qu'on élection faite en 1988 en janvier. Président élu démocratiquement, tout le monde content. Nous pas de quelqu'un de pouvoir. Élection faite en 1991, ou pas quelqu'un de pouvoir. Ça veut dire pas qu'à dire monde pas la donne. Dès pour entrer là, l'autre groupe ça, c'est aussi que fait qu'on entre la donne. L'a toujours campé les mêmes pour faire résistance contre. C'est pour tout le monde ensemble. Et c'est pour ça que la Constitution nous dit c'est pour l'inclusif. C'est pour le texte là inclusif pour ne pas gagner aucun monde que vous mettez dehors la donne. Puis là, bat bravo. Très passé au baguin. En tout cas, bataille a continué. Président Jovenel Moïse a continué à parler. Et ou après, position parlant, c'est parce qu'il a fait bagaille pour le peuple qui cause assassiné. Ou même comme peuple, qui a les yeux, comprendre monsieur yo, et comprendre sa gueule pour capable battre contre sa gueule. Que bon Dieu bénisse chaque gagnant nous qui t'attendait et garde mission. Que bon Dieu bénisse Haïti chez nous. Moi, je vais nous en pile.